c'est la fin de Cartoon et aujourd'hui une petite vidéo sur un top 10, premier top 10 que je fais. Et j'ai décidé de le faire sur les méchants de Disney qui me faisaient peur quand j'étais petite. Alors maintenant ils ne font plus si peur que ça, mais je me rappelle que quand j'étais petite il y en avait quelques-uns qui me faisaient très peur. Il y en a même un, je regardais pas tellement le dessin animé à cause de lui. Alors on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Alors, mon numéro 10, c'est La Reine de Cœur, de Alice au Pays des Merveilles. C'est pas qu'elle faisait peur en soi, parce qu'il y a des moments où elle joue la gentille, et ça me plaisait bien. Mais les moments où elle hurlait, qu'on lui coupe la tête, les pics de colère qu'elle avait. Le moment qui me faisait le plus peur, je crois que c'était quand elle... un moment, le chat Chester a fait se retourner. Et elle se met à hurler « Quelqu'un va avoir la tête coupée !» Et elle se redresse d'un coup, elle envoie valser toutes les cartes. Elle a le visage rouge cramoisi, et complètement décoiffé. Et elle pointe à Alice en disant « Toi, je vais te couper la tête !» Et cette scène me faisait absolument peur. C'était pas non plus le truc qui m'aurait fait pleurer, mais ça ne me rassurait pas du tout. Donc là, la Reine de Cœur en top 10. Ensuite, numéro 9, Maléfique. C'est pas, elle non plus, elle était pas très terrifiante, mais elle était pas très rassurante dans son vêtement noir. Je n'aimais pas le moment où elle se transformait en dragon. C'est là, je crois, qu'elle me faisait le plus peur. Parce que sinon, en soi, Maléfique, c'est pas une méchante très terrifiante. Mais sinon, je me rappelle que je n'étais pas très à l'aise quand elle se transformait en dragon. Numéro 8, on va partir vers... L'Orient, Agrabah, et c'est Jafar. Je l'aimais pas, il avait une aura qui me rendait mal à l'aise. Je comprenais pas pourquoi le sultan lui faisait autant confiance, parce que sérieusement, je le trouvais trop sombre. Mais c'est ça qui en fait un très bon méchant. Mais justement, il ne me rassurait pas à cause de ça. Et comment il traite le génie, moi je me rappelle, ça me mettait en colère quand il était après le génie, parce que le pauvre génie, quoi... Bref, Jafar en numéro 8. Je sais que certains l'auraient peut-être mis, l'auraient pas mis dans ce classement, mais bon, voilà, ça c'est mon classement personnel. Numéro 7, la belle-mère de Cendrillon, donc Lady Tremaine. Elle, on voit qu'elle est méchante, c'est une méchante, bien sûr. Et le moment où le prince va venir faire tester la pantoufle à ses filles, Cendrillon se permet de rêvasser et elle monte dans sa chambre pour se préparer. Pour accueillir, c'est pas le prince, c'est n'importe quoi, c'est le grand-duc. Lady Tremaine doit se rendre compte que c'est Cendrillon qui a dansé avec le prince hier soir. Et elle l'enferme. Et le regard qu'elle a, le regard noir, ça je me rappelle, j'avais peur de ce moment. Elle a sa place dans mon top 10, même si pour certains, elle n'est pas terrifiante du tout. Numéro 7, Scar. Alors certains l'auraient peut-être mis un peu plus haut, d'autres pas du tout. Mais Scar en soi, c'était pas un... Comment je vais dire ça? C'est pas un méchant qui me faisait peur, je pense que c'est parce que c'était un lion. Mais c'est vrai que le moment où il tue Mufasa... Long live the king. Quand il se jette sur Simba dans le feu ou les trucs comme ça. Ça ne me rassurait pas. C'était pas non plus le truc qui m'aurait fait hurler. Mais Scar, il y avait des petits moments où j'étais pas très rassurée en le regardant. Numéro 5, Ursula. Alors, elle, c'est la grosse dondon qu'on aperçoit dans La Petite Sirène. Alors déjà, elle était pas très rassurante avec ses tentacules. Mais bon, c'est pas ça qui me faisait peur. C'est le moment où elle... transforme le roi Triton et qu'elle prend le contrôle des océans. Et avec son trident, à un moment, elle tue ses deux musaraignes, qui n'étaient pas très rassurantes non plus, celle-là non plus. Mes poussins! Mes pauvres petits mamans! Et elle pique une colère monstre, elle s'entoure d'encre et elle devient énorme. Et c'est la manière dont elle devenait énorme et terrifiante et... La manière dont elle meurt, on voyait les éclairs qui la recouvraient et après elle éclatait en mille morceaux. Et ça ne me rassurait pas beaucoup.
Numéro 4, la méchante reine de Blanche-Neige. Alors, c'est pas quand elle est en méchante reine normale. C'est quand elle se transforme en sorcière. Je me rappelle la première fois qu'on la voit en sorcière. La première fois que je l'ai vue, j'ai hurlé, j'ai eu peur. Et résultat, l'image est restée. J'ai toujours eu une petite peur de cette reine. Quand elle est en méchante sorcière, en vieille dame, très moche en plus. Je l'avais sur ma... J'avais une tapisserie Blanche-Neige quand j'étais petite. Et là où on voyait la méchante reine, j'avais mis plein de peluches pour justement pas la voir parce qu'elle ne me rassurait pas. Numéro 3, Monstro la baleine dans Pinocchio. Parce que lui, je crois que c'est le seul méchant qu'on peut vraiment attribuer dans Pinocchio, parce que les autres, c'est des vilains, mais c'est pas le grand méchant. Le grand méchant de Pinocchio, pour moi, c'est Monstro. Et le regard qu'a la baleine au moment où elle attrape les poissons, où elle pourchasse Pinocchio dans l'océan, moi, je me rappelle, j'avais peur de Monstro à cause de ça. Alors que j'adore les baleines, mais... Monstro, c'est une espèce de gros cachalot noir avec un regard terrifiant, pas terrifiant, mais méchant. C'est presque le méchant à l'âme pure. Alors, numéro 2. Oui, alors elle, peut-être que certains vont me demander pourquoi elle est là. Oh, c'est sûrement Cruella, ta chère compagne de classe Cruella d'enfer. Mais pour moi, la numéro 2, c'est Cruella. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais petite, le passage où elle poursuit les Dalmatiens, il y a un moment, juste avant qu'elle tombe dans le ravin, elle est complètement énervée, elle a les cheveux qui partent n'importe comment, les yeux limite injectés de sang. Et moi, je me rappelle que ce passage-là, mais j'hurlais, j'avais peur de Cruella à ce moment-là. Alors que c'est vrai que normalement, Cruella, c'est une grande dame avec son grand manteau. Mais le moment où elle a les yeux injectés de sang, moi, j'en avais peur, je pouvais pas regarder ce moment. Et enfin, le numéro 1, c'est à cause de lui que je n'ai pas beaucoup regardé ce film pendant mon enfance, alors que je suis sûre que je l'aurais adoré. Mais mon numéro 1, c'est Frollo. Alors lui, j'ai pas vraiment de souvenirs, parce que justement, vu que le film, je ne l'avais regardé qu'une fois, et ça m'avait tellement fait... Il m'avait tellement fait peur que j'ai pas osé le regarder une autre fois. Avant, j'avais quoi, 14-15 ans quand j'ai revu le Bossu de Notre-Dame. Mais lui, il a tellement une aura de méchanceté et il se prétend être le grand gentil de la ville. Et c'est un monstre, en fait. C'est le méchant qui me faisait le plus peur. Je sais pas si dans mon top 10 des plus grands méchants, il serait dedans. Mais niveau qui me fait peur, lui, c'est une véritable horreur. Le moment où il tue la mère de Quasimodo, allez savoir pourquoi, pour moi, elle avait le visage d'Esmeralda. Mais lorsqu'il la tue, j'avais peur, je l'ai pas regardé d'autres fois à cause de ça. Lorsqu'il essaie de tuer Esmeralda sur le clocher, il a une tête de gros psychopathe. Je pouvais pas. Ce méchant-là, pourtant, quand je regarde, on voit que c'est juste un gros pervers qui est monstrueux dans son genre. Mais il me tétanisait quand j'étais petite, je pouvais pas le regarder. Alors, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, c'était mon petit top 10 des méchants qui m'ont fait le plus peur. Alors, à mon avis, certains vont rigoler quand ils vont voir mon top 10. D'autres vont dire, oui, j'aurais pas mis celui-là à cet endroit-là, voilà. Mais ça, c'est mon top 10. Vous me donnez votre avis. Vous me dites s'il y a quelques-uns de ces méchants qui vous ont fait peur quand vous étiez petit. Attention, quand vous étiez petit, maintenant, à mon avis, ils vous font plus peur du tout. Mais quand vous étiez petit, il y a sûrement quelques-uns de ces méchants-là qui vous ont tétanisé. Alors, voilà, j'espère jusqu'ici que vous vous portez bien. J'aurai peut-être une prochaine vidéo sur un blind test. Faudra que je vois ça, si on peut s'organiser là-dessus. La prochaine vidéo des chansons supprimées est en cours de réalisation. C'est juste que la prochaine sera seulement sur Alice, parce que vraiment, il y a trop de chansons dessus. J'ai recherché, il y a beaucoup trop de chansons. Donc d'ici à ce que je termine ces vidéos, je vous souhaite... une bonne journée, je vous fais de gros bisous, bientôt !